Bonjour à tous et bon jeudi, bienvenue sur Génération Télévision, nous sommes en Aude, voici les têtes blondes de France 3. C'est votre rendez-vous chaque jeudi avec les têtes blondes de France 3 et aujourd'hui on continue notre suivi de Touam. Bien évidemment, Touam qui approche de la fin, hein, plus ou moins, on est maintenant à 10 mois. Nous sommes en février 2009, voici le programme notamment avec les vacances d'hiver de Touam. Vacances, c'est parti.
Les Têtes Blondes de France 3 avec Touam en février 2009. Alors pour ce mois, nous avons deux parties, hein, comme chaque mois de vacances. On a d'abord la première semaine scolaire, et puis après les vacances d'hiver qui s'étalent avec les zones sur 4 semaines, comme d'habitude. Alors d'abord, pour la première semaine, on a quelques petits changements dans la programmation, mais pas grand-chose. Une émission de 1h30 en semaine, et puis après le week-end, ça ne va pas trop évoluer. Après, pour les vacances, on a donc Touam Vacances, qui est là le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, à partir de 8h... c'est pas vraiment 8h15, ça dépend, ça change. Et jusqu'à quand même plus de 10h30, hein, donc c'est quand même plutôt conséquent. On y retrouve un changement assez fréquent de dessin animé durant tout le mois. Même si ce sont les mêmes, hein, c'est juste qu'ils changent de place. Panthère Rose, Titeuf, pour ne citer que, avec 6 voire 7 épisodes pour Titeuf. On a aussi quand même des nouveautés dans cette programmation de vacances. Alors d'abord, avant le matin, on a Rudy Clum, qui est dans le Touam court, qui est avant la version vacances. Et puis dans vacances, on retrouve notamment Galactic Football, un dessin animé qu'on avait vu, je crois, dans KD2A. Et puis on retrouve également un nouveau dessin animé, les Podcats, qui est en fait une sorte de dessin animé court avec un groupe de rock, qui lui va être aussi marquant pour la fin de Touam, qui à partir du samedi 7 février 2009 à l'antenne. On le retrouve tous les jours dans les émissions de vacances, plus le samedi aussi dans Chouette Touam. Chouette Touam qui est là donc tous les samedis, belle transition, une programmation qui est assez conséquente aussi, de plus de 2h15 environ, les mêmes dessins animés comme d'habitude. Voilà, merci d'avoir suivi les Têtes Blondes sur Génération Télévision. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains.